Bonjour tout le monde, bienvenue sur News Eli. Je nous connais déjà, nous avons la tombe depuis hier. TPS pour Haïtien, renouvelé pour 9 mois, anti-extension pour 9 mois. Et je dis à nous, nous sommes sur la première vidéo déjà, nous avons porté précision pour même qui prend en contact avec Santarelli fédéral, State Local Government Agency. Ça veut dire, nous voulons parler par exemple, soit visiter. Et DMV, motor véhicule, il y a une autre agency tout. Et qui ont besoin d'une licence quelconque, parce qu'on est un nurse, whatever, soit faire. Et ont besoin d'une licence, ont besoin par exemple, parce qu'on est Obamacare, différentes agencies qui viennent dans l'État, qui j'en pour aborder, n'a pas l'autre. Nous voyons pas l'autre, qui j'en pour aborder, et boss travail, puisque document. Et il y a tout détail ça, nous allons le partager avec vous. Et l'expérience que tu as fait l'année dernière, il y a un ensemble de monde qui a dit non. Effectivement, il y a un ensemble de compagnies qui ne comprennent pas la vie. Il y a un problème en ce sens. Et il y a quelques, et pas tout non, il y a quelques agences. Parce que là, on parle d'agences. Chaque state a une façon de procéder. Donc, nous allons le partager. Qui ça et DHS dit qui j'en pour aborder différentes agencies ça et qui j'en pour aborder justement boss travail tout. D'abord, la résumé pour ça fait la livrer extension qui veut dire que ou pas gain pour remplir aucun papier dans moment là. Yo auto extend. C'est ça lié. Légalement pas gain pour ba un good. Et ça dit, OK? So li auto extend. Et ça le dit. Et si vous voulez, volontaire, j'en ai toujours dit, ou bien cobla, il n'est pas dérangé, ou capable de décider de faire l'autre cas de travail. Mais il n'y a pas aucun côté qui dit l'obligatoire pour faire, parce que c'est une auto-extension. Ok? So, as long as que ça nous a les préliminaires, injonction y aurait été, j'en ai toujours dit là, il n'y a pas capable de faire cette pièce-là. Et surtout pour Haïtien, qui gagne deux procès. Ok, on a. On parle, on t'a parlé de d'abord de DMV. Et je ne sais pas, pouvoir fédéral, il y a une sorte de guideline qui est pouvoir fédéral là. C'est que state qui est capable de faire une différence entre un state ou bien entre un county et un autre. Parce que chaque county a un propre règlement pareil pour être capable de faire certains bénéfices, tant que le driver a l'assence qui sont bénéfices ou bien l'autre bagarre encore. Ils sont capables de gagner différentes lois, différentes requirements pour déterminer, capable de arriver dans un document. Là. Donc, si vous pouvez l'appliquer pour le driver license ou bien n'importe l'autre, nous avons dit state, fédéral ou local, bénéfice dans le gouvernement, vous avez besoin de documents qui vous montrer que c'est un TPS. D'abord, attendez bien, ça nous va dire là. Vous gagnez. Et cadre de travail. Ou bien l'autre bail statut. Parce que nous comprenons que nous avons jeté l'important pour nous. Dernier approuval TPS côté gain. Mais que ça fait longtemps. Moi, pas qu'à jeter. Ok? Gagner des states qui m'ont dit pour nous. Well. Ok? Ça nous est I-797 qui c'est dernier approuval qui est au bail. Il y a quelques states qui m'ont demandé pour nous. Well. Parce que avant de parler de auto-extension, nous besoin de sortir gain. Ok? So, on va faire 4 travail là. Ok? Et s'il le faut, on va même faire copie et dernier approval de TPS. Puisque qu'on est là, pas gain, ça nous est les réinscriptions. Ok? Ce n'est pas une re-registration, c'est une extension. On va gain pour réinscrire. Just étant. Donc, on va gain ancien. Quatre de travail avec une copie notice fédéral register ou aller dans US fédéral register note ça et m'appeler pour là but je dis à 8 il a publié le 9 dans fédéral register. Ok, et donc n'importe l'autre document qu'on dispose dans mon capable soumettre maintenant et gain bagaille et n'a tout là, là on parle avec et agency là, la comprendre que son monde qui compte ça dire.
presque toutes les jeunes si utilisé un bagage qui relie systématique alien verification for entitlement program qui relie save. Bam montrer nous li mais save là bam montrer nous screen moi. C'est ça y est bon bah il a bon là pour si tu as bon parole. C'est clair, OK? OK, mais screen là. OK? So bon moi pardon guys. Donc bon mettre bon copier texte là. Voilà, c'est website là mi là, OK? Et saveus.gov case check ou café case check ou café alien check. Là dedans on ca met on met alien number ou met birthday pour submit. So puis faut agency utiliser ça pour voir est-ce qu'on gagne droit avec un bénéfice. Donc en ce sens, ou capable dit côté Walia que li gagne droit checker save la preuve que notamment au compte ça va parler avec c'est ça ou dou, vous comprenez? Programme ça confirmé, il est capable confirmer immigration status que justement on gagne droit bénéfice ça. Et donc save là capable vérifier yon alien qui gen TPS, OK? So chaque agence gen procédure pour yo capable accepter document ça, OK? Donc on va présenter agence avec copie fédéral registre là, c'est un document qui gagne justement 25 pages et je crois c'est dans page 24 là, yo parler de différentes agences dans l'état que gens pour opérer. Et fédéraliste là clairement gain côté au dit TPS ou auto extend et ou capable expliquer que save li metal lan save a vérifier que TPS soit en continuation que TPS soit a continuer simplement leur utiliser information ça que balé là ou gain droit mandé agence a initier save font recherche dans save parce que save là nous dit qui ça lié c'est systemic alien verification c'est comme ça systemic alien verification for entitlement program OK c'est ça que save là on doit demander pour initier un query ou bien un search dans save avec information et puis additional type pour capable validité TPS ou pour gain droit bénéficiaire OK et ou gain droit dire garder notice save ou bien contacter save si vous avez une question à propos de immigration statut ou bien extension TPS. OK? Donc save là son bagage qui bail réponse électronique automatique, il pas prend temps, le plus souvent c'est dans seconde, mais occasionnellement ça arrive qu'il bon tilé mais c'est bien rapide li baou. Le ressource nous montrer là. Donc là n'a parlé si vous besoin ou bon licence quelconque dans agency ou bon bail quelconque pour montrer que justement TPS soit still active que li en continuation vous comprenez so là mon nom agent ça et mon après ou quand ça va parler à système là pour vérifier et bon si par accident c'est la tagon erreur ou capable toujours ou même justement faire un request à l'aide de Freedom of Information Act pour capable corriger ça des moyens pour ta corriger. Donc voilà mes différentes façons qu'on capable deal avec agency. Mais bon bonne agency tout ça n'a pas dit là. De vous on est paraît avec notice là ou déjà au courant même d'où de 11 dans l'autre, yo pas même, vous va comprendre. Et il vous paraît avec notice. Donc vous voyez ça monsieur m'a dit vous paraît à fédéral registre notice ou et puis bah TPS ou yo fait le pour pas sans bruit sans quoi. Et maintenant ça me connaît c'est vrai. Gagner un ensemble de compagnies c'est tête chargée oui yo tout comme ça au dos yo dou et au fond bon nous besoin papier que dans USCIS et dou nous besoin papier bon nous papier que dans USCIS ça veut dire problème alors que c'est l'état du fédéral registre là comprenez so d'ailleurs notre la sorti et n'a pas venu lui a dit il aura appelé tout employeur toute compagnie la loi fait obligation justement depuis gain li mon en bal document qui dit que le travail yo relé ça discrimination yo interdit pratique de discrimination qui basé sous justement statut mon en gain donc il est clair li dit que yo employé parce que c'est TPS
l'on va venir enregistrer comme bon bon bagay, li gen droit ou ka poursuivre pour discrimination. Ok? Donc c'est comme ça qu'on comprend. Et gen numéro justement, de manière générale, qu'on capable rele ou grand compagnie en rele. Et m'a dit là pour vous, ou gen doit retendre des vidéos, si vous attendez bien, ou gen 888-464-4212. M'après dit là encore, 888-464-4212. Général question pour vous, ça nous a rele éligibilité pour un emploi, pour que vous gen doit pour travail, pour verification process. Employeur capable rele dans numéro ça. Dil rele dans numéro ça, m'a redil pour vous encore. 888 464 4212. C'est numéro que boss soit capable rele s'il a douté justement de causer ça. Il est capable email tout à ça nous rele INI Central DHS. Je sais accepter appel et email. OK? Donc yo fait comprendre que employeur capable yo bal numéro tout que yo capable rele justice civil ou division et ça c'est pour discrimination, vous comprenez ça, et là on saute bon numéro que employeur, mais on même comme employé ou capable rele dans numéro ça tout, c'est 888 897 7781, ou capable rele là dedans. Même j'entou ou capable email yo nan I9, c'est @9central@dhs.gov. Ou capable email yo là tout. OK? Donc ça c'est justement et c'est des informations et sous ta jeune et dit toi boss cap bon parole. Parce que dou que employeur dit boss ou pas ka terminer, pas ka suspend. Li pa ka camper training, li pa ka bloquer pay ou bien diminuer dans pay. Prend des actions contre tout. OK? Justement à cause que justement 4 va expirer as long as que ou montrer justement notice toi pire ça. Donc là nous bail assez d'informations importantes puisque nous connaît et on bonne justement c'est plusieurs là-dedans. Qui comme ça et si tu vois l'année dernière qui a un bon monde problème parce que non et yo dit par exemple l'on aller dans page 20 yo dit what update, vous comprenez gens pour monde rempli forme ça qui relé INI là son forme qui est important d'ailleurs leur bon travail yo ba toute explication son document de 25 pages so on pense que nous ba assez et d'information pour ça c'est une chose. Mais là, c'est important pour joindre le fédéral registre là sans document. Avec tout, j'aime toujours dire, si ça ne va pas déranger, encore une fois, si ce n'est pas un problème dans le budget, ou toujours gagner cette latitude, ou toujours gagner liberté, ça vous dit, bon, on va faire l'autre cas de travail. Bien dit, $410, c'est si ce n'est pas un problème pour vous, ok? Ou capable de vous dire, bon, moi-même, m'a juste fait un cas de travail. OK? On capable tout faire ça. Donc voilà guys, et nous te porter update ça au bout. Nous souhaiter que la aider ou pas oublier toujours rester connecté avec nous par ici là. Les dernières informations qui liées à actualité par ici aux États-Unis, toute dernière ça tombé dans causé immigration toujours côté là. Portez-vous bien, bye bye tout le monde.